On était à Ordeghem en Belgique le samedi 27 mai au soir pour l'un des plus grands meetings d'Europe et les Français étaient présents, à commencer notamment par Alex Signellet qui a brillé aux 800 mètres en confirmant les 1,47 qu'il avait réalisé aux Interclubs une semaine avant et qu'il a refait à nouveau en améliorant un tout petit peu son record. Le Dijonais est prêt pour affronter le 1500 mètres qu'il a prévu de faire en allant chercher la barre des 3,40 qui semble se confirmer. On regarde sa réaction en fin de soirée. Alexis, aujourd'hui tu es venu faire le 800 sur lequel tu as déjà battu ton record la semaine dernière aux Interclubs et tu rebats encore ton record aujourd'hui. Il y a une petite satisfaction, tu appréhendes la saison de 1500 mètres plutôt bien. Ouais, je suis content. La semaine dernière, je ne m'y attendais pas trop de faire une telle perf. Cette semaine, aujourd'hui, je venais pour faire un bien meilleur chrono. Malheureusement, le Lièvre, il n'a pas été pas très bon. Du coup, on passe à trop lent en 400. Et forcément, après, c'est impossible de relancer sur le 800. Le plus important, c'est le premier 400. Donc, je bats mon record quand même. Donc, c'est pas mal, mais j'aurais aimé faire quand même un peu mieux. Tu te rends compte que pour l'instant, tu es en tête des bilans français sur 800? Je crois pas, parce qu'il me semble que Julien Rank a battu son record aujourd'hui aussi. Et je crois qu'il a fait 4 centièmes de mieux que moi. Donc je passe deuxième, mais quoi qu'il arrive, je regarde pas trop ça et je me concentre plutôt sur mes perfs que sur les perfs des autres. Alors pour ton premier 1500, c'est pour quand? Pour les 1500, c'est la semaine prochaine. Je sais pas encore trop où. Je vais y réfléchir cette nuit et demain. Mais c'est sûr que la semaine prochaine, je rentre sur 15. Voilà, alors en effet, Alexis Signellet n'est plus premier au bilan français sur 800 mètres, comme il l'a dit, puisque au même moment, Julien Rank faisait quelques centièmes de mieux que lui au meeting de Forbach. Et à Ordeghem également, Samir Damani a fait beaucoup mieux que lui en approchant la barre des 1,45. Mais il a de quoi être optimiste pour la suite quant à la barre des 3,40 aux 1500 mètres, qu'il a probablement l'ambition de réaliser le week-end prochain à Ordeghem. On n'en est pas certain à 100%, comme il l'a dit. Mais il a tout de même de quoi être optimiste pour la suite. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Et en attendant, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, Aymeric Dupoux, le reporter athlé, et ma page Facebook au même nom également. Car une vidéo sur le 3000 steeple féminin et masculin est en train d'arriver. Et également sur le 5000 mètres où les Français ont brillé à Ordeghem. Je vous dis à bientôt.